Et vous jouez? Dans une formation dans une... J'ai diverses formations dans lesquelles j'interviens. Sinon, je fais des arrangements pour des artistes. Ah, vous travaillez chanteurs. En studio? Ah oui. Oui, oui. Des gens qui ont une célébrité, une notoriété? Pas forcément, non, pas nécessairement. Non, non. Chez vous, dans la région lyonnaise? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Studio à Lyon, alors? Oui, dans mon home studio, en fait. Voilà, je fais beaucoup de choses à la maison. Ah, c'est vrai, alors on vient vous voir à la maison, nous on dit bonjour Olivier, voilà. J'aimerais un arrangement, je suis chanteur, chanteuse débutante, il me faut un arrangement. Ouais, pas forcément débutant, hein, mais bon, il y a plein d'artistes qui composent très bien, qui écrivent très bien, mais qui ont besoin parfois d'améliorer un peu leur musique en elle-même par des arrangements de guitare. D'où le nom arrangement, quoi. Pour arranger. Voilà, pour... Voilà, donc vous créez la cerise sur le gâteau, on va dire. Vous créez la bande orchestre, les guitares. Voilà, guitare, basse, percu, batterie, etc. Clavier aussi. Et quand vous venez ici au Festival d'Issoudun, c'est pour rechercher quoi? Des nouvelles guitares, des nouveaux sons, des pédales d'effet, dites-moi. C'est bon pour revoir un petit peu les amis guitaristes. Et puis pour se baigner dans cette atmosphère bien sympathique. C'est pour redonner un petit coup d'aiguillon là, ouais, pour c'est vraiment le plaisir d'être là, de croiser d'autres musiciens, voilà, de jouer ensemble aussi, puis de faire un peu de promotion éventuellement aussi pour les albums. Oui, parce qu'il faut un petit côté commercial quand même. Forcément faut. Il vous arrive de recruter des guitaristes pour les enregistrements des artistes que vous arrangez? Ça vous arrive, non? Non, pas trop, parce que bon, après, ça reste une question de disponibilité de chacun, de moyens parfois aussi. Donc, j'essaye de faire au plus simple. Et le plus simple, c'est parfois de bosser donc à la maison pour éviter une location de studio qui est onéreuse. Bon, je le fais de temps en temps, bien sûr, mais voilà, parce qu'il y a un budget et voilà, il faut respecter ce budget. Donc, voilà. C'est vrai qu'on l'ignore souvent, mais la scène partout en France est riche. Dans toutes les villes de France, dans toutes les régions de France, on crée, on enregistre, peut-être même avec le développement de... De la MAO, oui, bien sûr. Oui, exactement. Ouais, musique assistée par ordinateur. Oui, mais vous avez raison de le dire. Ça a beaucoup changé la donne, hein, dans la mesure où maintenant, n'importe qui a un petit peu d'expérience en informatique... Ah bah après, c'est le talent qui décide, et tant mieux d'ailleurs. Voilà, après, bon, certains préfèrent aller en studio pour des raisons, pratiques, ne pas être en même temps derrière l'ordinateur à taper sur le clavier, positionner les micros. Après, bon, ça reste. Voilà, moi personnellement, j'ai fait 3 albums que j'ai fait en self-production, ouais. et le tout fait en home studio à la maison principalement. Ah, il est évident que si vous avez une fanfare de 50 personnes, il vaut mieux aller en studio que rester dans la chambre à la maison. C'est mes voisins qui sont pas contents. Oui. Et vos albums, on l'a pas sous la main, mais on l'aura peut-être un jour, Olivier Giry. Oui, bien sûr. Ce sont des albums plutôt quelle ambiance? Alors j'ai fait 3 albums. Alors le premier était un album qui s'appelle donc Édition Spatiale, que j'ai fait avec mon trio. C'était Docteur Octopus Trio. Il y a un petit jeu de mots avec octopus qui veut dire pieuvre et octopulse, la pulse. Ah voilà. Oui. C'est vrai que l'octopus c'est l'animal chéri de Ringo Starr et les Beatles. Ah, je savais pas, mais là, je vous le dirai. C'est aussi un peu le mien, donc voilà. Donc en fait, voilà, donc c'était un trio, donc basse, batterie, guitare, et là donc dans des ambiances, on va dire. Jazz, une sorte de jazz progressif, c'est assez dur à définir, un peu inclassable en fait. Voilà, des influences très diverses. Bien renseigné avec ça, oui. Non, mais c'est toujours difficile de décrire sa musique. Voilà, donc. Heureusement, vous allez la jouer tout à l'heure, mais continuez. Ouais, continuez. Alors après, bon, passons au deuxième album qui s'intitule Entre ciel et terre, donc qui là est un album exclusivement acoustique. Où on retrouve quelques petites pointes de guitare électrique un peu jazzy comme ça pour teinter un petit peu. Voilà, et puis donc il y a un album plutôt fingerstyle au sens large, hein, avec des morceaux avec des influences un peu jazzy, des influences un peu classiques ou progressives. Enfin bon, fingerstyle c'est large, donc c'est surtout, je pense, un album vraiment dédié à la guitare et puis aux mélomanes, voilà. Ça, c'était donc le deuxième album, Entre ciel et terre, voilà. Et puis le nouveau, alors, le troisième. Pas le dernier, j'espère. Donc, qui s'intitule Perspective. Donc, voilà, qui est, alors là, encore un album aux ambiances principalement acoustiques, mais avec un petit peu d'électrique, et où j'ai aussi fait intervenir
beaucoup plus d'instruments type clavier, son électronique un petit peu. Dont vous jouez tous alors. Je joue tous les instruments. Pareil pour dans Perspective, donc tous les sons, je dirais, de percussion sont faits sur la guitare en tapant, voilà, ce qui permettait d'économiser un batteur, en fait, c'est terrible. Alors là, non, Olivier, c'est horrible ce que vous dites. Non, c'est... Alors je joue de la musique, mais alors moi je joue à l'économie. Non, c'était une touche d'humour, bien sûr que non, mais en fait, c'était surtout, en fait, à la base, il y a beaucoup de morceaux que j'ai composés dans l'album Perspective, que j'avais composé à la Loop Station. Donc la Loop Station, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du tout, mais vous allez nous le dire. C'est une petite loop machine, quelque chose qui vous permet d'enregistrer, un petit sampler si vous voulez, qui vous permet d'enregistrer ce que vous venez de jouer. Et en fait, voilà, je l'ai pas ici mon sampler, mais voilà, vous appuyez sur une pédale, vous enregistrez un petit bout de guitare. Donc on a entendu ça hier avec Eva Médé, notre ami qui est à la solo. C'était Adrien Janiac qui l'utilisait sur scène hier. Exactement, c'est Adrien Janiac. Donc voilà, donc ce petit outil est pratique et j'ai composé au moins la moitié des morceaux de Perspective grâce à la Loop Station et donc cette rythmique, c'était pas du tout l'idée d'économiser une batterie, mais plus de respecter l'idée de base du morceau. Bien entendu. Et finalement, je pense qu'une guitare. Vous avez la guitare dans les bras. Oui. Elle est à vous. Oui. Et vous allez jouer. Assez parlé, on vous écoute. Olivier Giry, vous choisissez un morceau. C'est le style du dernier album, un petit peu Plutôt le style Entre ciel et terre. Alors, c'est celui qui me vient. On vous écoute. Un petit bout d'Entre ciel et terre pour que vous voyez un petit peu l'ambiance du morceau et de l'album. C'est super, mais il y a une délicatesse, un calme, une sérénité, j'ose pas dire, parce qu'il a été un peu galvaudé ce mot. Non, bravo, c'est très. Alors, morceau de votre composition ? Oui, morceau de ma composition. Vous avez le morceau titre de l'album Entre ciel et terre, oui, tout à fait. Vous avez la science de la mélodie et des harmonies. Oui, c'est super. Ben, merci, c'est gentil. Et puis le petit coup de, comment on appelle ça, sur la guitare, de percu. Oui. Ben là, on l'entend. Je ne sais pas si on entend bien. Enfin, moi, bien je entendu. M'entends très mal. Donc, Ah ben alors, je vous rassure, nous, on a bien entendu. D'accord. Non, on l'a bien entendu. Ben voilà, donc il y a. C'est très agréable. Donc l'album est disponible ici sur. Il est disponible ici. J'en ai amené. Donc pour ceux que ça intéresse. Olivier Giry. Et si merci à vous. Et si vous êtes chanteur, auteur, compositeur, alors, on peut s'adresser à vous aussi pour. Oui, bien sûr. Pour les arrangements, tout à fait. C'est tout à pour fait la production. Possible. Tout à fait possible. Vous avez bien fait de venir, hein, Olivier. Eh bien, très sincèrement. Vous avez. Enfin, on a bien fait. On a bien fait. Vous avez bien fait de m'inviter, mais non, en fait. Merci Christian de m'avoir un petit peu forcé la main. Alors Christian, c'est. On va le citer. C'est Christian Laborde. Qui lui est il m'a dit, bon, allez, maintenant, tu vas.
Parce qu'il faut savoir que, alors, ça me permet d'enchaîner. Oui. Effectivement, il y a les masterclass, effectivement, il y a les stages, tout cela est organisé, le salon de luthier. Mais, en plus, dans les allées, se créent des amitiés, on joue, on vient au Datgan Café. Alors, la scène ouverte va démarrer bientôt, mais même sans ces structures officielles, il y a les rencontres qui se font dans les allées, sur un petit bout de table, devant le bar, oui, et on ça, joue oui. ensemble. Mmh. Bah, c'est formidable. Ouais, c'est un peu le but. Puis, oui, oui. Tiens, bah, je te montre ma nouvelle guitare, ouais, ouais. Voilà. Tiens, je te montre ma dernière composition. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un petit peu, ouais, c'est un esprit de partage et je pense que c'est un peu c'est le festival c'est off. Enfin, ouais. Le festival off se déroule à l'intérieur. Bah, il est tout le temps le festival off en fait. C'est voilà, off. C'est, on. Voilà. Mmh. Je pense que c'est bon, c'est surtout le partage. Vous allez assister au masterclass aussi, Peut-être. Olivier, peut-être. Ouais. Je sais pas. J'ai rien programmé, donc je sais pas du tout à quoi je vais participer concrètement. Donc voilà. Tous les ans, vous réservez votre Toussaint et le lendemain aussi. Quand je peux, ouais. Voilà, c'est pas toujours possible, mais. Voilà. Ah oui, parce que beaucoup de chanteurs attendent votre. Non, et puis bon, là, j'ai dû annuler une résidence avec un groupe pour venir ici, donc là. Je... mais bon, alors, c'est pas grave. Hein, je me suis arrangé. Mais vous êtes héroïque. Ah oui, Olivier Giry. Vous revenez quand vous voulez. Si vous voulez venir tout à l'heure, demain, on sera heureux de vous accueillir. Bravo pour la composition qui s'intitule donc Entre ciel, Entre ciel et terre. C'est le terre. Titre, le morceau titre de très mon agréable. Album. C'est une ambiance qu'on n'avait pas retrouvée depuis le début du festival. On avait du picking un peu péchu. Ouais. Là, on est dans le. On caresse tes cordes là. Oui, c'est oui. plus. Enfin, c'est on a bien remarqué. Oui, non, mais bon, on a après, bien remarqué. Je peux aussi un peu plus rentrer dedans, mais Vous jouez aussi électrique également. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et là, c'est plutôt. Globalement, je pense que je suis pas quelqu'un qui fait du gros rock ou des choses comme ça. Je suis plutôt quelqu'un dans la musique qui reste toujours un petit peu doux. Entre deux, vous êtes toujours entre deux. Ouais, je crois, ouais. Entre ciel et terre, c'était une bonne idée. Ça m'inquiète. Vous êtes toujours entre deux, sauf ici. Voilà. Je veux pas dire que vous êtes middle of the road parce que c'était une expression voilà, qui avait lieu oui, dans voilà, les années 70, fait, oui. mais c'était un peu ça. Voilà. Merci voilà. Olivier Giry. On est très plaisir. Heureux de vous avoir connu. On ne savait pas ce qu'on perdait avant. Bah, merci à vous, je suis touché. Merci Olivier. Merci, à bientôt. Au revoir.